Bonsoir à tous, 18h pile, nous sommes jeudi soir et comme chaque jeudi soir pendant 30 minutes, voire un peu plus, c'est toute l'actualité high-tech avec Zéro à la Vibdo. Bonsoir à tous et bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Ce soir on va parler de smartphones dans 01 Live Hebdo. Ça vient un longtemps. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et on va parler notamment d'une innovation qui semble bien se généraliser. Enfin, on va se poser la question, puisque vous savez, la reconnaissance de visage pour déverrouiller votre téléphone mobile, euh, ça existe chez Apple. Et ça arrive bientôt chez le chinois Huawei avec un système équivalent au TrueDepth d'Apple. Jean-Sébastien Zanki viendra tout nous expliquer. Voilà la reconnaissance faciale et puis on évoquera. On restera toujours dans le domaine des smartphones Jérôme avec euh, une batterie que l'on pourrait recharger en quelques minutes à peine. Alors là, ça c'est complètement révolutionnaire. Hein. Ça s'appelle le graphène. Mais ne rêvez pas, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Noémie Lefebvre-Marek nous en parlera tout à l'heure dans son Zoom Actu. Comme chaque semaine, euh, il y a la séquence labo dans 01 Live Hebdo. Alors ce soir, côté labo, eh bien, on va parler de maison connectées avec euh, des petits joujoux qui vont vous permettre de rendre votre maison un peu plus intelligente, sans fil et sans pile. Et puis si vous êtes à la recherche d'une euh, bombe atomique pour stocker vos données personnelles, on a trouvé cette bombe atomique. C'est un magnifique disque dur, mais alors monstrueux mais et oui, ultra rapide. Ça n'explose pas. Non, hein, non, euh, c'est pour ça que je dis une bombe atomique, c'est une image. Hein. C'est voilà, la boîte qu'on voit là. Il ah paraît oui. que c'est monstrueux. Ben, ça a l'air en tout cas. Hein Et vous savez quoi The specialist of the disque dur, c'est quand même François Bedin. Yes. Et il sera là tout à l'heure, mesdames, messieurs, en fin de Zéro en Live pour nous présenter tout cela. Écoutez, bienvenue. Nous sommes le 30 novembre 2017. C'est parti pour ce Zéro en Live hebdo. Alors Comme je... chaque semaine, oui. François, Pardon, vous qui nous regardez, vous pouvez interagir. Autrement oui. dit, nous envoyez vos messages, vos questions sur Twitter, hashtag 01Live ou via YouTube, puisque le live de YouTube, vous le savez, est disponible. Vous pouvez nous regarder en direct sur YouTube. Vous avez des petits commentaires. Allez-y. Euh, Dites-nous un petit peu ce que vous pensez des sujets qu'on va évoquer dans un instant. Et puis aussi sur euh, www.0nettv.com, vous allez pouvoir répondre à notre question 01Net Orange de ce jeudi. Aujourd'hui, on vous demande si vous pensez que la reconnaissance faciale risque de remplacer l'empreinte digitale sur les smartphones. Hein Donnez-nous donc votre avis parce que ça nous intéresse. On fera le point tout à l'heure. Donc, vous allez sur www.01nettv.com et vous votez sur le petit sondage. Oui ou non, c'est plutôt simple. Eh bien, voilà. Euh, moi, tu as une petite idée ou pas, pour, pas Non, pas pour influencer tous ceux qui nous regardent, mais bon, comme non, ça. Non, justement, je ne voudrais pas influencer, donc je ne dirai rien. Eh bien, très bien. <laughs> donc, allez-y, www.01nettv.com. Euh, vous savez quoi euh, On est en train de me faire un signe depuis tout à l'heure. Oui, je amis, comprends pas ce qu'il fait. Il qui me montre là, elle, son oreille. Elle me fait des trucs Et je comme me disais, ça, mais qu'est-ce qu'elle a Elle a une otite d'un coup, il y a un truc bizarre, ou je sais pas, moi j'avais peut-être un problème avec mon oreille. Eh bien non, c'est ça, parce que regardez ce qu'on vous offre. Alors ça, c'est pas à mettre comme ça dans l'oreille, hein. il faut enlever l'emballage, parce ah non, que, que ça commence un peu mal. Et voilà ce qu'il y a dedans. Et nous vous offrons les antipodes de Divacor, les amis. Encore une fois, cette semaine, en dans Zéro Live Hebdo, on vous fait ce magnifique cadeau. Plébiscité par la rédaction de 01net, hein, euh, Voilà, puisque c'est vrai qu'on l'a testé de manière très scientifique comme à chaque fois. Et les résultats sont excellents. Le rapport qualité-prix de ce produit est exceptionnel. Divacor, les antipodes à gagner maintenant sur 01net.com. Il y a un petit formulaire à remplir. On vous pose une toute petite question, mais vraiment pas bien compliquée. Vous savez, le genre de questions qu'on vous pose sur TF1. Et puis, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous savez quoi Vous remporterez ces antipodes de Divacor. Voilà. Parfait, tu l'as très bien descendu. Okay. Euh, qui était fin, non le, non, non, le, non, la, non, non, la, 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 la séquence d'Ivacor, voilà, c'est fait, c'est voilà. bien. Jean-Sébastien Zanqui est avec nous. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir, Bonsoir Jean-Sébastien, on est ravi de te retrouver, encore une fois dans Zéro en Live, pour nous parler donc de, du futur peut-être de, de la biométrie dans les téléphones portables. En tout cas, le futur, pas tout à fait, puisque c'est quand même euh, le gros morceau de l'iPhone X, hein, c'est cette reconnaissance faciale en 3D très évoluée. Il faut préciser, hein. voilà, c'est ça qui est important. Voilà, Parce donc, que la reconnaissance faciale de, sur smartphone, ça existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Bien sûr. Donc là, il y a un petit plus, c'est que vraiment, on va analyser euh, bah, en trois dimensions le avec l'effet de profondeur. Donc Apple a été le premier en fait, à mettre ça oui, sur 10. le marché. Tout à fait. Et on vient d'apprendre que Huawei, euh, qui décidément euh, est plein d'énergie et plein d'ambition, mmh. euh, va proposer la même chose. C'est ça C'est ça. Euh, Huawei qui a présenté son euh, Honor V10, qui est sa sous marque, euh, il y a quelques jours. Mmh. Euh, c'est le 9 Pro en France et en marche de cette conférence, euh, Huawei a montré justement son propre système TrueDepth. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois avant que l'iPhone 10 sorte, il y avait les premières rumeurs TrueDepth, mmh. les analystes commençaient à dire euh, « Vraiment c'est impressionnant ce système, Apple a certainement deux ans et demi d'avance sur tout le monde parce qu'ils prennent tout le monde de court ». Et bien finalement Mais ça a l'air bon. d'être beaucoup beaucoup plus court puisque ouais. Huawei présente déjà euh, son système équivalent. Euh, alors pour être honnête, ce n'est pas un système qui est encore intégré dans un smartphone. Euh, il n'y a aucune date avancée par Huawei ni aucun modèle de smartphone euh, qui est précisé pour, pour l'intégration de, de ce principe, euh, de ce procédé. Mais en tout cas, euh, quand on voit la composition euh, du système en lui-même, mm -hmm. c'est... Parce que comment ça marche en fait ça. En fait, c'est un projecteur qui va euh, lancer sur le visage, projeter sur le visage euh, une multitude de points. Euh, Apple annonce 30 000 points différents. Mm -hmm. euh, mais Évidemment, Huawei en rajoute et annonce 300 000 points différents <laughs> pour, euh, comme d'habitude, hein. Huawei bien adore bien sûr, bien sûr. faire de, de la surenchère. Et puis euh, adore, euh, Huawei adore se comparer à chaque fois chaque présentation On en a le, longuement parlé ouais, déjà ouais, ici. C'est toujours ouais, ouais. l'appareil photo comparé à celui de l'iPhone, etc. La batterie, ça, la ça, puissance. Enfin, voilà, sans est état ils adorent, est Donc ça, ça va dans le, dans le sens de, de ce qu'ils font habituellement. Euh, donc, c'est ces points qui sont projetés sur le visage, qu'on ne voit pas, hein, c'est de l'infrarouge. Euh, et il y a une caméra infrarouge qui, justement, euh, filme la projection de, de cette lumière structurée, on appelle ça, mm -hmm. euh, sur le visage et met en rapport ce qu'il capte, ce qu'il filme, avec le modèle qu'on a rentré dans le téléphone euh, lors de la configuration où il suffit de filmer voilà, son visage en quelques secondes, c'est fait, on l'a vu sur l'iPhone 10. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est ce système-là. Et ça, c'est plutôt très fiable. Et très très fiable, même si on a vu que parfois il y a de, quelques quelques possibilités de, de tromper un peu le système en faisant euh, des masques vraiment, voilà, identiques à la personne qui à qui on a ouais. subtilisé l'iPhone, imaginons. Euh, mais c'est quand même très fiable au point que Apple l'utilise pour son paiement. Euh, Apple Pay euh, ouais. euh, est, est validé par euh, par le, le Face ID, alors que jusqu'à présent c'était que l'empreinte digitale qui pouvait le valider. Donc mmh. euh, Apple, en tout cas, annonce que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus difficile à tromper qu'une qu empreinte digitale. Et alors on parle de l'authentification, de mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le côté ludique. Il y a Évidemment. voilà ce qu'on a vu là à plusieurs reprises, c'est les, les emojis et le, ça. Les, euh, animojis même. les animojis. Les oui, animojis, oui, exactement. Oui, oui, c est, c est, bah, en plus, c'est marrant parce que c'était vraiment le euh, ce système à la conférence Apple de l'iPhone 10, euh, ça a été vendu euh, avec les animojis en fait. Oui. Hein, quand on a vu Craig mmh. Federighi qui s'amusait, euh, le vice-président d'Apple qui s'amusait à. Ce qu'on voit là, là ça c'est les ça. images Huawei. Voilà, et ça c'est les images Huawei. On a l'impression d'avoir euh, la keynote d'Apple mais en chinois. Alors euh, c'est chinois, donc il y a des pandas, euh, 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 la Chine. c'est marrant, c'est vraiment. Ils ont complètement, complètement copié, le, copié le système euh, et ils n'ont pas forcément annoncé d'ailleurs d'innovation supplémentaire par rapport, oui. par rapport au Trudeps. C'est une copie pure et simple du de Trudeps. Mais je pensais que dans le Trudep, il y avait un petit composant fabriqué par des Français notamment. Alors, c'est bizarre parce qu'on ne sait Donc pas. Donc, s'ils n'ont que... pas ce composant, ça peut pas marcher. En fait, on ne sait pas <laughs> si c'est pré... euh, si fabriqué par les Français. En fait, euh, effectivement, ah ouais. Tim Cook est venu quand il est venu faire une visite en France. Il est allé en Normandie visiter cette entreprise, ouais. mmh. euh, mais c'est assez mystérieux ce que fait cette entreprise. On ne sait pas exactement. On sait qu'ils ont travaillé un procédé, un composant. Euh, on ne sait pas exactement. Ça reste quand même. Euh, c'est le secret des fournisseurs d'Apple, hein, c'est toujours pareil. Mmh. Euh, mais malgré tout, euh, tous les constructeurs, euh, notamment chinois, euh, ont déjà commencé à euh, se fournir dans tous les composants équivalents euh, au TrueDepth. Et euh, ça va arriver très rapidement, hein, vu qu'on a, a vu là avec Huawei qui, qui annonce ça déjà euh, à peine mmh. euh, six mois après, même pas trois mois après l'annonce de l'iPhone and Oui, c'est intéressant. C'est peut-être un tournant finalement, effectivement. Oui. Euh, le tournant véritablement vers la généralisation de la reconnaissance faciale en 3D. Oui, oui, ça a l'air d'être massif. Oui. Et puis ça positionne aussi Huawei sur du téléphone très haut de gamme. Tout à fait. Voilà, hein, c'est aussi une histoire d'image de marque, je pense. Hein, c'est un moyen de dire, pour ben, voilà, oui, de monter encore. en gamme Nous, on a le top du top de la technologie en termes de biométrie. On bien imagine, on, on espère que l'avenir c'est la reconnaissance faciale. Donc ils se positionnent là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, et puis encore une fois, ouais, oui, monte en gamme depuis des années, des années, des années, des années. On voit maintenant que le Mate 10 Pro est au, presque au même prix que certains modèles équivalents en face, 1 mmh. notamment. Euh, et là, avec ce genre de choses, ils peuvent encore monter en gamme, augmenter leur marge. Euh, voilà, c'est tout à fait quelque chose de logique dans leur ouais, stratégie. La bon, Jean-Sébastien, on lance les paris. Pas quand le premier smartphone euh, Huawei avec euh, leur fameux TrueDepth. Est-ce que ça sera par exemple annoncé euh, au Mobile World Congress euh... Je pense que c'est un peu tôt, Mobile World Congress. Le 1 ça sera trop tôt. Je pense que c'est un peu tôt. À, à mon démons... avis, ça se retrouvera ouais, peut-être plus que ça sur va pas le. Être un, un, un peu déceptif parce que euh... comme ils annoncent ça, ça et veut dire oui, qu'ils l'ont peut dans les cartons. Ça, ça c'est risqué, mais c'est vrai que, les, en tout cas, les, les, les dernières oui. informations en provenance notamment de Taïwan et de Chine sur euh, les, euh, les fournisseurs de composants euh, disent plutôt qu'eux, ils vont pouvoir euh, fournir assez de composants pour fabriquer des téléphones pour un concurrent d'Apple, parce qu'Apple les capte presque tous, ces composants actuellement, pour en gros des sorties... Entre le deuxième et le troisième trimestre 2018. Donc, ouais, euh, c'est pas tout de suite. c'est pas avant fond. la rentrée. Donc, mm -hmm. après, peut-être que Huawei peut nous étonner et sortir sa Mobile World Congress. Et puis après, en février, il aura au mars, on, mais... on va voir ce que, ce que présenteront Samsung. Euh, tout à fait. que ouais, ouais, ça ouais. va isoler un petit peu plus les autres ténors en faire de la téléphonie mobile. Non, hein. sûr, à ouais, moins oui. qu'ils fassent la même chose. Voilà. Alors, à moins qu'ils fassent la même chose. Mais imaginons par exemple que Huawei dégaine son smartphone avec la reconnaissance faciale au Mobile World Congress. On sait que Samsung risque de lancer son S9. Avant euh, la, la, le Mobile World Congress comme chaque année, s'il si n'intègre pas cette fonctionnalité, non. ça va être compliqué pour, pour Apple, pour, pour Samsung. En revanche, on a aussi euh, quelques informations aussi, euh, toujours en prenant ces usines chinoises, euh, que Samsung pour le S9 aurait plus ou moins réussi à mettre au point ce capteur d'empreinte digitale à travers l'écran ah. que Ouh. Samsung, pas, que Ouh. Apple, pardon, n'a pas réussi à faire pour ouais. le. Ah euh, donc ouais. ils auraient 90. malgré tout quelque chose Alors, à raconter. Ils tra il travaillent à, à cette chose-là et continuent dans cette voie-là mmh. Samsung. Donc euh, s'ils arrivent à faire ça. Ça peut être aussi un argument. Et puis il y a de des quoi. histoires d'écran de, souple, là dont on commence à parler. Il y a aussi effectivement, flexible. voilà, il y a beaucoup de rumeurs sur l'écran flexible et euh, mmh. de, de certains, de certains, pourquoi pas un téléphone modèle Samsung. Euh, donc Samsung mmh. peut peut-être nous étonner tout à fait. Bon bah c'est bien, on va avoir encore plein d'histoires à raconter autour des smartphones. Hein. Alors, oui. on a le, le donc l'iPhone 10 qui a cette, ce système de reconnaissance faciale. On risque d'avoir bientôt un téléphone Huawei. À mm -hmm. noter que le OnePlus 5T qui vient de sortir a un système de reconnaissance faciale qui est très efficace est mais qui est beaucoup rapide. moins sécurisé. Voilà, hein. ça reste de la reconnaissance faciale en deux dimensions. Euh, c'est beaucoup moins sécurisé, c'est plus facile à tromper. Euh, on l'a vu notamment chez Samsung sur le S8 où euh, on pouvait le tromper avec une, une photo de la personne par exemple. Ouais. Donc c'est très facile. Euh, donc c'est un système qui est beaucoup moins fiable que l'empreinte digitale, encore moins fiable que la reconnaissance faciale. 3D euh, ouais. et d'ailleurs les constructeurs qui proposent euh, sur leur euh, téléphone ne l'utilisent pas pour euh, par exemple le paiement. Euh, mm -hmm. Voilà le paiement c'est un peu la dernière limite de et la preuve que le système est, est fiable et sécurisé. Ouais. Là vous parliez duquel du, 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 du One du Plus, du One plus 5T. Ouais. mais alors qui est peut-être pas ultra fiable mais qui est d'une hyper rapide ah ouais, ouais, ouais. c'est impressionnant oh c'est impressionnant et d'ailleurs contrairement ah ouais. euh, au Face ID hein. Face ID ouais. c'est plus lent que le Touch ID hein. quand on l'utilise ouais. au quotidien il y a une petite latence qui est là qui existe euh, sur le OnePlus 5T c'est ultra rapide c'est impressionnant Parfait. Parfait. Bien Jean-Sébastien Zanki, merci. Merci beaucoup. Et on aussi au courant ouais. concernant euh, ce, ce Huawei et peut-être l'avenir. Ce et sera alors, la reconnaissance faciale sur les mobiles. Qu'en pensez-vous puisque c'est notre mmh. question 0 net Orange du jour. Justement, euh, est-ce que vous pensez que la reconnaissance faciale va remplacer l'empreinte digitale Là, on a déjà donc une première tendance. Oui, à 68 ben voilà, c'est intéressant. Vous pouvez continuer à voter www.01nettv.com. Très bonne question. Hein bonne question ouais. je sais pas qui l'a trouvé ah oui c'est vrai c'est moi c'est toi pour une ouais, fois ça étonné. quand il dit ça c'est que c'est lui <laughs> mais non c'était pour rigoler on revient dans un instant les amis avec Noémie de favre qui arrive dans ce sur ce plateau pour le Zoom Actu on va parler peut-être du futur de la batterie Ah oui, on parle beaucoup de smartphones ce soir. Ah ben bah oui, on parle aussi de, de petits écouteurs. Allons-y, ça va avec anti-pogs que nous vous offrons toujours hein, si vous venez peut-être de nous rejoindre euh, dans ce live, ou même en replay, hein, même si vous nous regardez euh, tranquillement. Euh, ça marche aussi en replay. C'est ça qui est fort. Ah ben bah oui, tu sais, c est, c est, c est, YouTube a cette fonction magnétoscope qui est très sympathique. Euh, Génial. Voilà. Donc si vous nous regardez, vous pouvez remporter ces antipods Divacor, produits français de bonne qualité, hein, au bon rapport qualité-prix. Vous savez que c'est la mode de ces petits écouteurs sans fil mm. qui ne sont pas en fait liés Mais les uns aux autres avec des fils. Hein. C'est euh, vraiment voilà. très très pratique. Oui. Euh, ça marche évidemment en Bluetooth et ce cadeau, nous vous l'offrons sur le site de 0net.com Il suffit de répondre à une toute petite question et de participer au tirage au sort. On vous souhaite bonne chance. Nous avons échangé notre barbu de service <laughs> par, par... par notre star Et voilà, hebdomadaire. Elle est là, c'est Noémie. Que allais dire. Elle a eu un peu peur, Noémie, ouais. mais finalement, ça va. Hein, plus de peur que de mal. Ça va. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, Bonsoir Noémie. Alors, Noémie, on va parler de batteries au graphène. Alors ça, mais franchement, moi, ça me fait rêver. Donc, une technologie qui devrait révolutionner le chargement des batteries de smartphone. Noémie. Exactement, alors là, c'est vraiment très intéressant. Le graphène, c'est un, un, un matériau dont on va parler, mais en fait, c'est vrai que le, le, la problématique est la suivante. La batterie, c'est ce qui pose problème, en fait, dans la high-tech, dans tous les produits électroniques. Euh, les deux points qui posent problème, c'est l'autonomie et puis le temps de recharge. Et là, Samsung, en fait, le département RD de, de Samsung, a publié dans Nature une, une publication très intéressante parce qu'ils ont fait une découverte euh, assez intéressante. Ils sont sur la piste de l'intégration de graphène mm -hmm. dans les batteries lithium-ion. Alors, graphène, effet. ça me dit quelque chose déjà, Noémie. Oui. On en a déjà entendu parler, hein, je crois. Bah oui, parce qu'en fait, c'est le matériau du futur. Donc, ça fait déjà euh, plusieurs années qu'on en entend parler. Le problème, c'est qu'il est très difficile à exploiter, très difficile à extraire ce graphène. Mais en fait, d'abord, qu'est-ce que c'est C'est du cristal de carbone qui est contenu dans le graphite graphite, vous savez, c'est ce qu'il y a dans les mines. Ouais, dans les crayons, crayons, les crayons à papier. Exactement. Et il a plein d'avantages, en fait, ce graphène. D'abord, c'est un matériau qui est flexible tout en étant plus solide, plus résistant que l'acier. Il est ultra léger, puis c'est aussi un excellent conducteur. Euh, pour vous donner un chiffre, les, les électrons à l'intérieur se déplacent 150 fois plus vite que dans le silicium. Euh, et donc, en fait, que ce qu'a fait l'équipe de Samsung, là, c'est qu'elle a cherché à exploiter les propriétés euh, bah, extraordinaires de ce graphène. Ils ont mélangé du dioxyde de silicium. Attention, là, c'est très... Euh, Oula, le cours de chimie hein. oui, de Noémie. Voilà, si vous... Attends, alors, prenez mon crayon, s'il vous plaît. y a un terreau à la fin. Noémie, la science, mesdames, messieurs. de, physique de 4 ème <laughs> B, voyez ça, je pense qu'elle se marrait un petit peu. <laughs> mais j'ai quand même compris. Non, mais c'est vraiment ouais. pas sûr. Non, en et fait oui. est, ils ont mélangé du dioxyde de silicium ouais. du méthane chauffé à plus de 1000 degrés ah, de la raclette et... fondue non <laughs> pas du tout non. Giro... Pas pardon, 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 pas <laughs> et donc ça donne en fait sur la, la surface de, de, du matériau, on voit apparaître des, 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 du graphène. Euh, bah, voilà, Thomas nous le montre. Merci beaucoup. C'est ces petites euh, formes. C'est des petits de... trucs à droite là ou à droite Voilà, exactement. Et acariens euh... un peu, hein, plutôt. Oui, de, nous dit voilà, like. pop-corn. Ils disent ouais, que ça, ressemble, vrai, ça plus ressemble à du pop-corn. popcorn. Okay. Donc c'est à la surface de ces petites boules-là qu'on voit du graphène apparaître. Et en fait, ils ont, euh, ils ont recouvert les pôles positifs et négatifs des batteries. Euh, avec euh, ces petites boules de graphène, résultat, mmh. eh ben, ça booste considérablement les résultats de les performances de la batterie. Elle charge d'abord cinq fois plus vite euh, qu'une batterie euh, traditionnelle. Mmh. Et puis euh, c'est assez euh, intéressant aussi parce que... On sait que plus une batterie charge rapidement, moins elle peut stocker. Et là, ça ne change pas les, les, les capacités de stockage de la batterie. Il y a aussi autre chose qui est assez intéressant. En gros, c'est que euh, euh, ça ça peut permettre de réduire la taille des batteries. C'est-à-dire que euh, la, la concrètement dans un appareil électronique grâce à cette technologie on la pourra faire taille, des batteries plus petites voilà, des tailles, ah, on peut mais imaginer en fait, plein plein de choses ouais, mais la technologie de la batterie n'est pas revisitée quoi c'est juste au niveau des contacts hein. c'est ça c'est le, le contact c'est la technologie qui, qui charge la batterie ouais. exactement ouais. Bon, donc alors, on aurait pas de, une, des appareils qui auraient une meilleure autonomie finalement c'est simplement qu'on pourrait ça pourrait se recharger plus vite, euh, plus vite. Pour, pour un poids plus léger pour ouais. un encombrement là, réduit et si tu peux faire batteries... techno là oui après le graphène est prometteur sur plein plein de points notamment sur l'autonomie si tu peux faire des batteries plus petites tu peux choisir de garder la même taille mais qu'elle soit plus puissante. Plus puissante. Voilà, oh. c'est QFD. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez besoin de Putain. deux ingénieurs fous pour Bien euh, vos batteries. Hein. Bon alors concrètement, quand est-ce qu'on pourra vraiment... Recharger son smartphone en, en 10 minutes. Malheureusement, je n'ai pas de date à vous communiquer. Le nice. problème, il y a un petit ah mais quand même, c'est ce que <laughs> je suis vraiment désolée. Mais, oui. mais en fait, les, les, les performances sont euh, au maximum quand euh, le, le procédé est à 60 degrés. Donc ça veut dire que clairement, on ne va pas se coller un téléphone à 60 degrés sur ah l'oreille. Oui. On risquerait un non. petit peu la cuisson, hein, ça serait dommage. <laughs> en revanche, l'industrie de, de la voiture électrique la, est très intéressée euh, par ça. Il y a d'autres sociétés qui, qui s'intéressent à, à ça. Notre notamment une startup américaine qui s'appelle Synode System, euh, qui, qui vient d'ailleurs d'annoncer un partenariat euh, euh, là-dedans. Mais c'est quand même une piste, vous en conviendrez, très encourageante pour euh, les voitures, pour les smartphones, pour euh, toute la tech en fait. Et je tiens à signaler le papier de Gilbert Canband sur le site de Zeronet.com. C'est un, un, en fait. un papier sur l'internet. C'est un article. Oui c'est voilà. ça. ça. D'accord. <laughs> voilà. Mais c'est un terme journalistique, papier. Si oui oui oui. C'était voilà. pour rigoler. Mais bon, ça fait non, rien Non c'était pas... bien. Non j'ai bien aimé. Si si c'est bien. Noémie, euh, Noémie, merci beaucoup. De rien. C'est toujours un plaisir. Euh, et c'en euh, est terminé pour ce Zoom Actu, les amis. Les 18h20, oui, direction le labo. Ouais. François Bedin est là. Il a une énorme boîte entre les mains. Il trépigne. Donc il va venir nous expliquer de quoi il s'agit. Je vous le disais, François Bedin, c'est le spécialiste du disque dur ici, du stockage. Voilà, exactement. Je pense que François Bedin est un cloud à lui tout seul. Hein, avec tous les oui, disques durs qu'il doit avoir à la maison. Bonjour François. Bonjour. Ravi de te retrouver dans ce Zéro en live. On va parler avec toi de cette bébête qui est là. Je ne sais pas si on la voit, euh, si on peut faire un, un petit plan. Voilà, c'est une espèce de, 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 de grosse boîte avec mmh. des tiroirs à l'intérieur. Autant vous dire que là, mmh. on va pouvoir en stocker des choses. Bon, si vous êtes fan de disques durs, restez avec nous, on en parle dans un instant. Ouais. Juste avant, je te propose de parler un peu de maison connectée, François. Ah, ça faisait un moment, Jérôme. Euh, oui, oui, ça faisait un moment. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé et il faut en parler de la maison connectée. C'est passionnant, c'est Il y a, il y a un plein de choses à en dire. passionnant. Tiens, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la vidéo qui est en ligne depuis quelques jours sur tv.com qui est le reportage qu'on a fait avec Noémie, justement, dans l'un des tout premiers appartements neufs vendus avec un prééquipement de prise de courant, interrupteur, etc., connecté avec une solution... Euh, qui n'est pas encore commercialisé euh, tout à fait, qui est signé Le Grand, oui. Le Grand euh, Céliane, avec euh, du net atmo dedans, etc. Enfin bref, allez voir la vidéo. sur Mais c'est pas, pas de ça dont je voulais vous parler un instant. Alors Je voulais vous parler de ces petits bidules. Voilà, ça vient de sortir. Et si vous êtes comme moi, euh, comment, où est-ce que je la mets voilà, Là, là regarde, regarde, tu vas voir. Là, on va y arriver. Ouais, c'est pas mal. <laughs> voilà. Bon, alors... Euh, Dire, si vous êtes comme moi un peu euh, fan de... Il ne bon, faut pas dire de motique, mais smartphone, vous aimez bien mettre des, des produits connectés chez vous. C'est tout simplement un capteur de mouvement avec une prise connectée. Alors, Alors ça. Une... Capteur de mouvement. Exactement, capteur de mouvement. Et ça, sa prise connectée. Prise électrique, communicante, connectée. Alors vous allez me dire, oui, bah, bon, ça existe depuis longtemps, etc. C'est vrai. Sauf que là, il y a plusieurs particularités. D'abord, c'est français. C'est une marque qui s'appelle Nodon, qu'on a déjà reçue oui. euh, sur Zero TV dans le village Startup. Ils sont sympas, ils font des produits très cool. En plus, c'est une technologie assez intéressante, la technologie de communication N-Océan, qui fonctionne sous sans fil et sans pile, donc qui ne fonctionne pas sous l'eau. Il <laughs> fallait la faire, évidemment. Bah oui. Sans fil et euh, avec une très très euh, faible quantité d'énergie. Alors sauf que là, c'est un mauvais exemple parce que autant vous avez par exemple ici un interrupteur à océan qui fonctionne vraiment sans pile. Hein, c'est des piézoélectriques, donc pas C'est-à-dire que quand tu appuies, tu crées assez d'énergie voilà, pour que là… Informations sont envoyées à la box qui a fait le signal. Ouais ouais exactement. Génial. Ah oui, et parce qu'il y a un que mouvement que mécanique. On entend le petit clic clic. Et oui il faut un petit effort. c'est vrai que c'est un peu dur hein, quand même, Moi hein. j'en ai mis plein, plein dans mon appartement et ça y est ma famille m'a pas quitté. Devoir le, le doigt euh, muscler la fin ils de la journée. Sont un peu énervés au début mais ils s'y sont habitués. Bon là c'est un petit peu différent puisque comme il y a un capteur de mouvement il y a une pile à l'intérieur. Ah, logique. C'est logique mais elle dure très longtemps elle dure cinq mois. Alors qu'est-ce que vous faites avec ça par exemple vous allez appérer l'un avec l'autre et logiquement si vous mettez ça dans une pièce quand quelqu'un rentre dans la pièce ça allume la lumière ok soit il communique directement de l'un à l'autre mais l'intérêt c'est d'avoir en plus une box domotique et de l'intégrer dans un circuit de box domotique donc vous allez pouvoir ajouter ensuite des scénarios par exemple elle s'allume quand quelqu'un rentre dans la pièce mais vous mettez une temporisation et quand il n'y a plus personne depuis je sais pas quoi un quart d'heure ça va s'éteindre ou bien on peut également piloter la prise qui est à côté avec L'application mobile avec un... un interrupteur comme ça, etc. C'est-à-dire que c'est non seulement un système indépendant, et en plus, ça, ça peut s'inscrire dans un connecté. scénario. Euh... Mais par exemple, comme c'est un détecteur de mouvement, est-ce que si par exemple j'installe chez moi, je mmh. peux euh, savoir que quelqu'un est passé devant oui, tu... sur mon mobile Tout via une fait. appli alors que je suis ailleurs. Absolument. Tu mets un petit peu les mains dans le cambouis, tac-tac-tac, ah tu ouais. vas dans l'interface. Il faut écrire 2 millions de lignes de code, non, et non, non, et on, non, non, y, on est, est pas, bon. Ce n'est pas ça marche. des lignes de code. Ce n'est pas ultra simple. Ouais. Je ne suis pas sûr que ta maman pourrait le faire, mais toi, tu devrais être capable de le faire. Ouais. Euh, il faut aller dans l'interface et tu peux te créer une alerte. Tu vas recevoir un mail, un SMS, ce que tu veux, etc. Voilà, c'est assez sympa. Euh, donc ça coûte, alors ce pas donné malheureusement tous ces produits connectés, le capteur de mouvement moins de 60 euros et la prise connectée environ 55 euros. A noter qu'elle mesure également la consommation d'énergie. Donc c'est pareil, il suffit de faire une petite routine qui va te, te comptabiliser tout donc ça. Donc si et tu branches la télé coûteur, par exemple là-dessus, tu sais combien consomme ta télé Exactement. À chaque tout à fait. Super, voilà. mais c'est Nodon donc. Nodon. C'est interfaçable avec plein de box domotiques. Hein. Il ne faut pas acheter la box de la marque machin. Voilà, sujet maison connectée passionnant. A retrouver donc sur la TV ce reportage avec le premier appartement neuf connecté qui est commercialisé à Ici-les-Moulineaux, juste ici, juste à côté. François Bedin donc qui est venu avec, regardez-moi, cette petite je armoire. Suis, je suis venu avec un das. Tu es venu avec un das. What is das? What is das? What das? Alors c'est un. Ça peut serait, se décrire comme étant un nas, mais qu'on branche en USB. Alors qu'un nas normalement on le branche en réseau. Ouais. Donc, parce que l'USB pas assez donc, rapide. Donc il y a les avantages du nas, hum. mais aussi la facilité d'utilisation puisqu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se dire comment je le branche sur mon réseau, comment je l'administre. Ouais, Même si maintenant d'ailleurs les nas sont devenus assez faciles à administrer. Là, l'intérêt, c'est qu'on le branche directement en USB comme un disque dur externe. Ah oui. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a les avantages du NAS. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs disques internes à l'intérieur, ce qui permet d'avoir des capacités de stockage absolument exceptionnelles. Mm -hmm. Et en plus, on peut utiliser donc, la technologie RAID. Donc RAID, il y a deux RAID. En général, il y a RAID 0 et le RAID 1. RAID 0, ça permet d'avoir des débits énormes. RAID 1, ça permet d'avoir de la sécurité. La sécurité. parce que On duplique tout. On duplique tout. En RAID 0... J'ai fait des mesures. J'étais capable de monter à 400 mégaoctets par seconde en USB 3. Mais c'est génial, ce qui est absolument délirant. À savoir que euh, avec un AS, on peut en limite pas trop dépasser les 130 mégaoctets par seconde à cause du lien gigabit Ethernet mmh. qui lui est limité. Donc c'est pour les gens qui ont soit besoin de très grosses capacités de stockage, soit besoin de très gros débits, soit besoin tout simplement des deux, et qui n'ont pas de problématique réseau. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de brancher ça sur son ordinateur portable. Donc ça ne sera utilisé que par une seule machine à la fois. On ne peut pas du tout le mettre sur le réseau Si, alors... Peut-être, même si on ne l'a pas encore vérifié, mais il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire, on pourrait par exemple le brancher s'il y a un port USB sur son routeur ou sur sa box. Parce que comme il est vraiment reconnu comme un disque dur externe, c'est de USB pur, il n'y a pas du tout besoin d'installer de, des pilotes, il n'y a aucune raison que la box ou le routeur ne le détecte pas comme étant... Hmm un disque dur externe. Et ça, ça n'existait pas, François Si, ça existait. Mais euh, on a nous beaucoup parlé de NAS et euh, je trouvais que c'était intéressant de parler de, de ce genre de choses qui effectivement répond à un besoin très spécifique, mais ce, euh, est intéressant pour la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire mmh. que là, grosso modo, il n'y a qu'à mettre des disques dedans, parce que bon évidemment, c'est livré sans disque, mmh. et à brancher ensuite en USB. Et c'est terminé. Il bon, y a quand même deux gros ventilos, hein, euh, oui, sur ton alors, truc là. Alors ça, c'est ah là, oui. c'est le, le, le gros modèle qui coûte 240 euros. Donc où les deux premiers disques peuvent fonctionner en RAID 0 ou en RAID 1, on peut, on et, les trois, et, les trois, et les trois autres disques sont indépendants. Mais en tout, si on met des disques durs qui coûtent très cher de 10 Teraoctets, on monte à 50 Teraoctets, ce qui est monstrueux. 50 30... Teraoctets. Oui, la ah capacité oui, là... de Google il y a 10 ans. Là, tu peux stocker <laughs> les photos de tous les ah bah, occupants de, de, de ton tout l immeuble. immeuble, immeuble. Ah ouais. si J'ai regardé, par exemple, il existe un modèle à deux disques tu peux faire qui Facebook coûte 160 toi, euros. Si tu veux, tu... <laughs> Et ça. donc, ce modèle à deux disques est quand même beaucoup plus raisonnable. Alors après, il faut mettre le, 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 le prix des disques. Par exemple, si on met des disques de, on va dire, 4 Teraoctets, ce qui est déjà plutôt pas mal, on peut en avoir pour euh, 100 euros par disque. Donc, ça fait 160 plus 100 plus 100. Oui, ça fait 460. Donc, ça fait euh, non, 360. Attends, 160 plus 100, 100 plus 100. Plus 100. Non, oui, 360. Donc c'est assez raisonnable pour avoir soit de la rapidité d'utilisation en RAID 0, soit de la sécurité en ayant donc un système dupliqué avec de la redondance en RAID 1. D'accord. Bon, Il y a plein de mots compliqués, mais en gros, c'est très bien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris Je peux t'expliquer Non, 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 mais, tu non, mais ah, parce que as fait, t as, t as tu as vois, parlé François, de ça, la redondance facile tous les jours, en RAID, quand quand etc. Je... La redondance non, mais... en alors, 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 RAID... Ah bah oui, le RAID c'est très imi... simple, c'est associé à plusieurs disques ensemble. Oui, bien sûr. Donc RAID 0, RAID 0, ça veut dire qu'on envoie en même temps, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de vitesse que si on envoie sur un seul disque. RAID 1, c'est pas compliqué, avec deux disques, tout ce qui est copié sur le premier est copié sur le second. Voilà, donc en fait ça te... Donc si le premier pète, le second me... On aura stocké de la même manière les choses. Tu tapes raid sur Wikipédia, tu vas te régaler, ça va te faire le week-end. Bon, il y a d'autres raids, mais là c'est bon. C'est les modes C'est pas Intel qui a inventé ça Je ne sais plus. Je crois bien que c'est Intel qui a inventé le... Mais là c'est deux modes raid les plus simples qui sont le raid 0 et le raid 1. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir certains avantages NAS sans avoir à se préoccuper de brancher ça sur un réseau. Pour une utilisation vraiment, par ouais. exemple sur un ordinateur portable, parce que sur un ordinateur portable, le disque dur est limité en capacité. Bien en sûr. général, c'est un téra, donc euh, on va pas très loin. Oui, encore. En SSD, on est plutôt autour de 250. Voilà. Et, 400, 500... et 400 mégaoctets par seconde, c'est le débit d'un bon, bon SSD. Ouais. Hein, donc euh... très bien. Bon, et bien, et la semaine voilà. prochaine, François Benin revient nous expliquer comment on peut faire son petit data center à la maison. C'est oui, ça. C'est ça. Hein, voilà. Avec Avec l'ordinateur les... quantique aussi. Vous avez Avec... une pièce libre. Construisez <laughs> votre ordinateur quantique dans ouais. la chambre du bébé. Tout à fait. Okay. Il n'aura pas froid cet hiver. Merci beaucoup, François. Merci. François Benin de la rédaction de 01net.com. Pratiquement 18h30, Jérôme. J'ai l'impression qu'on va être à l'heure en ce jeudi soir. Non, car on doit d'abord. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de la question 01net Orange. Oui. Hum, Pensez-vous que la reconnaissance faciale va remplacer l'empreinte digitale sur les smartphones Oui, à 72%. Hein Gros succès hein, pour la reconnaissance faciale. C'est vrai que c'est euh, assez pratique. Après, on nous dit sur Twitter, pourquoi pas un système couplé euh, C'est vrai que l'iPhone a supprimé le, le, le Touch ID. Peut-être qu'on pourra avoir sur des téléphones, par exemple, la reconnaissance l'un euh, et l'autre, ou l'un à l'arrière, oui, oui, pour une super sécurité, etc. Pourquoi pas euh, En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à voter. Tiens, je apporté des vis si Il y a, sur y a deux chevilles. <laughs> donc, alors, c'est pourquoi c'est pour installer pour les tes petits objets voilà. connectés, c'est ça C'est des mèches de 6. Hein. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et Jérôme qui bricole. Vous savez le week-end. Fixer ça au mur. Ouais. Vous pouvez <laughs> croiser peut-être Jérôme dans un Ikea, de la région parisienne, régulièrement le week-end. Il n'y a pas de souci, ça vous fera plaisir. <laughs> ah oui. euh, Jérôme, ce zéro en live est terminé. Oui, nous en sommes euh, tristes, un petit, un petit peu tristes, mais on se retrouvera la semaine prochaine. <laughs> nous en sommes tristes et rigolent comme, euh, comme une baleine. Et oui, c'est ça. Vous savez. Merci à Noémie Lefebvre-Marek qui a préparé ce Zéro en live. Et à Thomas euh, Remignoret qui a assuré la réale. Voilà. Comme un grand et tout on, seul. On tenait à vous remercier parce que, parce que vous seul. êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jeudi soir en direct. Alors le replay marche toujours très bien, mais c'est vrai que... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct et on en, en en tenait à vous en remercier. Ça nous permet aussi de discuter, de dialoguer avec vous et nous en sommes ravis. Vous aurez votre dose de 01live Hebdo la semaine prochaine. On sera là jeudi soir prochain, Jérôme. On sera là jeudi soir prochain. Et puis comme d'habitude, toutes les vidéos de 01 TV à retrouver sur 01net.com. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 01net TV sur YouTube. Il suffit de cliquer, euh, abonnez-vous et puis voilà. Comme ça, vous serez au courant de toutes nos dernières vidéos. On compte sur vous. Bonne soirée à vous tous, salut à tous.